Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui l'Izrut et l'Irfuat Arav Yosef Chaim ben Emma Simcha betoch Sha'ar Chole Israël. Et nous étudions Baba Metzia Perek Bet Mishnah Yud. Metzaa Barefet Eno Chayav Ba. Birshut Arabim Chayav Ba. Ve'im Haita Bet Hakvarot Lo Itamela. Im Amar Lo Aviv Hitame. O Sha'amar Lo Al Tachazir Lo Ishma Lo. פרק וטען, פרק וטען, אפילו ארבע וחמישה פעמים, חייב, שנאמר, עזוב תעזוב. הלך וישב לו, ואמר, הואיל ועליך מצווה, אם רצונך לפרוק פרוק, פתוח. שנאמר, עמו, אם היה זקן או חולה, חייב. מצווה מן התורה לפרוק, אבל לא לטעון. רבי שמעון אומר, אף לטעון. רבי יוסי הגלילי אומר, אם היה עליו יתר על מסעו, אין זקוק לו, שנאמר תחת מסעו, מסוי שיכול לעמוד בו. Encore une Mishnah Chérish, on va vraiment essayer de la faire rapidement, autant que possible, parce que là c'est dans le temps que les Mishnah prennent trop longtemps. On va parler de trois sujets. On va d'abord compléter le sujet d'hier, définir à partir de quand on considère qu'une perte est une perte. À chaque fois qu'il y a une perte imminente, bien sûr, il faut aller sauver le bien de l'autre. Mais il y a des fois où est-ce que la perte n'est pas encore là, mais elle peut éventuellement se produire. Son bien n'est pour le moment pas encore exposé au danger, mais il est possible qu'il va entrer en situation où il va être en danger. Est-ce que je dois déjà le sauver ou pas? La Mishnah va nous prendre un exemple, on va l'illustrer, on va en parler directement. « Metza'a barefet eno chayav ba » Si on trouve l'animal de son prochain barefet dans son enclos, eno chayav ba, il ne doit pas s'en occuper. Vous allez me dire dans son enclos, heureusement, s'il l'a laissé. On parle en réalité d'un enclos où la porte elle est pas très bien fermée, mais elle n'est pas non plus ouverte. Si elle est ouverte, vous avez déjà une mitzvah de partir vite. Au moins, aller fermer la porte. Mais si la porte elle est ni ouverte, mais ni bien fermée. Facilement, il est possible que l'animal va partir pousser et qu'il va sortir. Mais pour le moment, c'est pas encore imminent. De ce fait, la Mishnah nous dit « Eno chayav ba, tu n'es pas encore responsable. » Entre parenthèses, ça rapporte dans la Gemara, ça rapporte ici dans Tiferet Israël. Si cet enclos se trouve « Chutz la Troum », il est en dehors de la ville, selon le cas, il est possible qu'il y ait déjà une mitzvah de partir, c'est-à-dire, on va supposer que l'animal, il s'est enfui de chez lui, et puis finalement, il a trouvé l'enclos de son propriétaire, et s'est senti à l'aise, il est rentré là-bas. Mais à nouveau, il va peut-être partir plus loin. Alors, selon le cas, si vous estimez qu'il risque d'avoir une perte de contrôle, et de ne plus pouvoir retrouver ensuite son animal, alors il y aura une mitzvah de Shabbat Aveda, c'est comme ça que ça rapporte dans l'Halakha, à Kol Lefi Ha'inyan, chaque cas, selon ce que vous estimez. Ensuite, Birshut Arabim Chayav Ba. Si vous trouvez l'animal du voisin, Birshut Arabim, sur la voie publique, Chayav Ba, il faut s'en occuper. Vous allez me dire, ça contredit ce qu'on a appris hier. Et on a appris que s'il est uniquement en train de marcher dans le Birshut Arabim, tant qu'il ne court pas, alors on ne doit pas le sauver. Et là, il y a marqué que dès qu'on trouve dans le Birshut Arabim, il faut déjà partir, le récupérer parce qu'il y a une perte. Alors en réalité, il y a deux cas de figure de réponse qui sont proposées aussi dans le Tos de Tov, à partir du Roche. Premièrement, si vous remarquez qu'elle est sur la voie publique et qu'elle est complètement paumée, elle ne trouve plus sa direction, alors là, il nous a deux Shabbat Aveda. Deuxième solution encore au nom du Ra'avad, on parle qu'elle est Birshut Arabim, elle vit tranquillement, elle connaît sa route pour chez elle, mais elle risque de se faire écraser. Il y avait, des charrettes qui passaient et qui roulaient vite et risquaient de lui causer un dommage. Dans ce cas-là, Misa de partir la récupérer pour la situer à son propriétaire. Voilà pour la première partie de la Mishnah. D'accord ? Donc on a fait tous les mots et on passe à la deuxième partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, on va confronter, faire interférer la mitzvah de Hashavat Aveda avec d'autres mitzvot et interdits de la Torah, savoir quoi choisir. Avant de parler concrètement du cas de Hashavat Aveda, on va d'abord introduire une notion générale, la notion de Asé Doré Lota Asé. Lorsque la Torah me donne une mitzvah positive à accomplir, et qu'à part ça, je suis confronté concrètement à une mitzvah négative qui m'empêche d'accomplir cette mitzvah. Est-ce que je dois quand même accomplir ma mitzvah ou non? On va illustrer ça
Ben, on n'a qu'à illustrer ça sur le cas qu'on va rapporter dans la Mishnah. J'ai une mitzvah de la Charat Aveda, restituer une perte à mon prochain. Mais supposons que, par exemple, je suis Kohen, et j'ai un interdit de rentrer au cimetière. Le Kohen n'a pas le droit d'entrer en contact avec un mort. Et même dans une maison, il y a un mort, d'accord? Et il y a une mitzvah de la Charat Aveda, donc au cimetière. Le Kohen, il passe dans la rue, il voit qu'à la barre, un objet perdu, l'animal du voisin. Il veut partir le chercher. Est-ce qu'il peut rentrer au Beit HaKvarot pour aller le sauver? Est-ce que le fait qu'il a une mitzvah de la Charat Aveda, ça lui donne un passe, un joker pour passer outre l'interdit de la Torah de s'impurifier? Ou non, est-ce qu'on va lui dire non, laisse tomber la mitzvah de la Charat Aveda parce que pour le moment, tu n'as pas le droit d'entrer au cimetière? Et comme ça, on trouve dans la Torah très fréquemment. C'est une règle, ça s'appelle Asé, Doché, Lota Asé. Une mitzvah Asé, fait, positive. Doré repousse une mitzvah lota, c'est une mitzvah négative, un interdit de faire quelque chose. Il y a bien sûr des grandes règles, on ne va pas toutes les évoquer tout de suite, et voilà, il y a des grandes règles. Quand dire oui et quand dire non, en l'occurrence par exemple un brit mila qui tombe le Shabbat, on fait le brit mila, parce que le brit mila c'est une mitzvah assez, bien que le Shabbat ce soit un lota assez, vous allez me dire ah, assez doré lota assez. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus délicat, parce que, en réalité, le Shabbat, c'est un interdit très grave, où il y a un issur qu'il a. Mais malgré tout, la Torah, elle a explicitement dit de faire la mitzvah de Bayom HaShmini, quand c'est une mitzvah, une brit mila qu'on fait au huitième jour. Quand c'est une mitzvah, une mila repoussée, on a arrêté le huitième jour, l'enfant il était malade. Alors, on la fera pas le Shabbat, parce que Bemet, en ase dochelota ase sheshbo karet. Shabbat, c'est un issur très grave, où il y a un karet. Par contre, quand ça tombe le huitième jour, la Torah, elle a donné une dérogation spéciale de le faire, autant que la Torah a donné une dérogation de faire des korbanot ou Beit HaMikdash, où on égorgeait des animaux, et même si c'est un interdit par la Torah, c'est la Torah qui fixe ses règles. Hachem qui nous dit quoi faire et quoi pas faire, lorsqu'il nous interdit quelque chose et qu'il nous demande de le faire, de faire autre chose, alors c'est lui qui fixe est-ce qu'on fait malgré tout ou pas. D'accord? Il y a des règles. Pour en venir maintenant à notre sujet, un exemple aussi très fréquent, ça me semble le coup de le savoir, le tzitzit, la mitzvah tzitzit de la Torah. Il fallait mettre un fil de trellet bleu azur. C'est un fil spécial. C'est discuté. Est-ce que ce qu'on a à notre époque, est-ce que c'est réellement le vrai bleu azur de l'époque ou pas? D'accord. Il y en a qui aiment bien faire des nouvelles mitzvot. Mais en tout cas, c'est très discuté dans les poskim. Les poskim en général ne sont pas d'accord de mettre ce fil bleu. Concrètement, en tout cas, ce fil bleu doit nécessairement être en laine. Une laine qu'on peint en bleu. Or, celui qui mettrait un habit de lin, qui a quatre coins, il devra aussi mettre des tzitzit dessus, et mettre ce fil bleu azur. Alors la Torah nous a dit, assez, donc l'autre a assez. Je t'impose de mettre tes fils de tzitzit, et même de mettre ce fil bleu, même si ton vêtement il va être en lin, et tu vas te retrouver avec un vêtement maintenant où il y a du lin et de la laine mélangée, c'est un interdit de la Torah de Gilaim. Et malgré tout, la Torah elle permet et elle impose de le faire. Voilà pour la notion générale de assez, d'ochre, l'autre assez. On a expliqué comment elle s'exprime aussi. Et puis maintenant, on va le faire dans les mots, on va les expliquer un par un. Une première règle d'abord, si on dit assez, d'ochre, l'autre assez, une mitzvah positive repousse une mitzvah, l'autre assez, mais malgré tout, on ne dira pas assez, d'ochre, l'autre assez, v'assé. Si la mitzvah négative est renforcée par en plus de ça une mitzvah positive, en plus, alors la mitzvah positive ne va pas repousser les deux. On va voir tout de suite le cas, immédiatement. Supposons qu'un Kohen voit maintenant un objet perdu dans le Beit HaKvarot et a envie de rentrer dedans pour partir faire la mitzvah de Shabbat Aveda. Donc il a une mitzvah assez de Shabbat Aveda. Mais le Kohen, il a une mitzvah lota assez, de s'impurifier pour les morts. La nefesh loitama be'amav, on a lu récemment, il y a quelques parashiot en arrière, dans parashat Emor, la nefesh loitama be'amav, il ne pourra pas s'impurifier. Donc assez, de relota assez, vous allez me dire, alors que le Kohen puisse rentrer. Réponse, non, parce qu'en plus du lota assez, il y a du lota assez pour le Kohen, de l'interdit de s'impurifier, il a aussi une mitzvah de respecter sa kedusha, kedoshim yul Elohim. Et il y a marqué qu'ils doivent être kadosh, ils doivent être sanctifiés. Donc là, regardez, son devoir à Kohen de ne pas s'impurifier, c'est à la fois une mitzvah assez, une mitzvah lota assez. Contre ça, il y a une mitzvah assez de
Hashavat Aveda. Alors, en ase dochelota ase vease. D'accord, c'est clair? Petite parenthèse pour ceux qui veulent pousser le bouchon un peu plus loin. En réalité, la Shabbat Aveda, c'est une mitzvah assez, une mitzvah lota assez. Parce qu'il y a marqué l'otuchal italem et achef teshivem. Mais malgré tout, alors on a assez et lota assez. Et qui ne repousse pas un assez et un lota assez aussi. Bon, on va fermer la parenthèse et on continue. Excusez-moi. Donc on a dit Vimaita betakvavot loitamela. Si la trouvaille était dans un betakvavot, dans un cimetière, il ne pourra pas s'impurifier. Imamarlo aviv. Hitame, o shamarlo al tachzir, lo ishmalo. Là maintenant, on va confronter les mitzvot de la Torah avec la mitzvah de kibud av va'em, respecter son père et sa mère, qui est une très grande mitzvah, très importante. La Gemara nous dit même être, apparaître d'abord une des aseret adibrot, la quatrième des dibrot, un des dix commandements, d'accord, c'est le quatrième. Kabet etavir etavicha vetimecha. Malgré tout, ouais, je sais plus, quatrième ou cinquième, plutôt dit cinquième, je crois, excusez-moi, mais donc même s'il y a une mitzvah de kibud av va'em, lorsque le père ordonne de à son fils, demande de lui faire une mitzvah, demande donc de lui rendre un service, donc une mitzvah de kibud av va'em, mais en confrontant son ordre à la volonté de la Torah. En l'occurrence, la Mishnah nous donne un exemple. Imamar lo aviv hitame. Oh, shamar lo al tarzir. On va d'abord parler du cas de al tarzir, c'est plus facile. Al tarzir, c'est il y a maintenant un enfant Israël qui a le droit de partir, donc qui veut partir ramasser une mitzvah à Shabbat Aveda pour faire la Shabbat Aveda. Et le père lui dit au même moment, il lui dit non, mon fils, cours vite me chercher un verre d'eau, j'ai très soif. Et le fils dit mais papa, il y a une mitzvah, attends, je ramasse d'abord la Shabbat Aveda, et puis après, je vais t'amener le verre d'eau. Le père dit, non, j'ai très soif tout de suite. Donc, je passe avant, kibud av va'em. Réponse, malgré tout, il y a une grande règle, kibud av va'em, cette mitzvah-là, aussi grande soit-elle, elle ne repousse pas aucune mitzvah de la Torah, pour la simple et bonne raison que le père doit lui aussi respecter Hachem, qui donne des mitzvot. Et le père n'a le droit de donner des mitzvot que, donc, d'en donner des choses à son fils, et que le fils aura un devoir de le respecter, qu'à partir du moment où il ne va pas entrer en confrontation avec Hachem. D'accord? Parce que s'il entre en confrontation avec l'ordre d'Hachem, l'ordre de la Torah, alors il va s'avérer que le père lui-même, il doit respecter cet ordre. De ce fait, par relation de Chal, on va dire, le fils n'a plus le droit de te respecter, puisque toi-même, tu dois respecter Hachem. Donc le fils va directement respecter Hachem et laisser tomber ton ordre. D'accord? Me sont très clairs. C'est quoi maintenant le premier cas de Hitamé? Alors, de nouveau, on va parler d'un cas simple. Un père, par exemple, Cohen, qui va demander à son fils, passe par le cimetière pour aller me chercher là-bas l'animal qui est là-bas et tu vas tuer les gorges. Donc, mitzvat asé, le kibbout av, de partir s'impurifier et de s'impurifier pour pouvoir amener à manger à son père, de partir à manger à son père, mais qui va se confronter avec une mitzvah de lota asé, de s'impurifier. Et dans ce cas-là, en assez d'ochel lota assez, c'est clair. En assez d'ochel lota assez. Il y a de quoi rallonger, mais comme la Mishnah est déjà longue, j'ai vraiment pas envie de trop traîner. Mais l'idée, elle est claire. Donc on refait ça dans les mots maintenant. Imamar lo aviv hitame. Si son père lui a dit, impurifie-toi pour me rendre service. Donc, kibud av, en transgresse un interdit pour me rendre service. Ou encore, osha amar lo al tarzir. Ou bien qu'elle lui dit non, ne restitue pas la Aveda, viens plutôt m'amener le verre d'eau. Lo ishmalo, il n'écoutera pas son père. On a fini la première partie de la Mishnah et on va presque clore le sujet de la Shabbat Aveda. Et maintenant, on va parler d'un autre point important, une autre mitzvah différente de la Torah, la mitzvah de Prika Veteina. On va le faire d'abord dans les mots. On a deux parachiot dans la Torah, une dans Shemot, deux psukim dans la Torah, une dans Shemot et une dans Dvarim, dans Kitetsé. Dans Shemot, il y a marqué Kitire Hamor Sonaacha Roves Tachat Masao Vechadalta Meazov Lo Azov Taazov Imo. Parachat Shemot, dans Chumash Shemot, dans Mishpatim, Perek Chav Gimel Pasuk He. Kitire Hamor Sonaacha, quand tu verras, tu rencontreras l'âne de ton sonaha, même d'une personne que tu haïs, ton ennemi,
t'as que des problèmes avec ce voisin. Et tu le vois dans la rue, et tu vois qu'il a son âne qui est en train de crouler. Rovet tachat masao. Il croule sous sa charge. Le chadalta me azovlo. Et tu crois que tu vas t'empêcher de partir l'aider. Azov ta azov imo. Va vite courir l'aider. Pour essentiellement une raison, c'est qu'il ne perde pas son argent. Même si tu as des problèmes avec lui, il faut que tu saches, t'as quand même une mitzvah de Shabbat Aveda envers lui. D'accord ? C'est compliqué de quel type d'ennemi on parle, parce qu'on a le droit d'avoir des ennemis aussi dans la Torah. Même ça, c'est pas évident. Mais malgré tout, c'est pas notre sujet pour le moment. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Donc, on a une mitzvah de Shabbat, de ce qu'on va appeler la mitzvah de Prika. Donc, lorsqu'on voit, on va parler de ton ennemi, à plus forte raison quand on parle de ton ami aussi, ou même d'une personne que tu connais pas, lorsque tu vois l'animal qui croule sous sa charge, tu dois partir l'aider avant qu'il perde complètement son animal. C'est la mitzvah de Prika. Dans Chumash Devarim maintenant, alors, on est toujours dans Parashat Ki Tetzé, et Perek Rav Bet, donc 22, Pasuk Dalet. Lotire et Hamor Achicha, Oshoro Noflim Baderech, Vitalamta Mehem, Hakem Takim Imo. La mitzvah de Kima. Tu ne verras pas l'âne ou le taureau de ton prochain, de ton ami, Noflim Baderech, qui sont déjà tombés par terre, ouais, on parle qu'ils sont déjà tombés par terre, avec leur charge. Et puis maintenant, donc, ton ami doit relever son animal et lui remettre la charge. Et il est tout seul sur la route. Il n'a plus son employé qui est là. Il doit faire ça tout seul. Et il va suer complètement pour pouvoir remettre la charge sur son animal. Il va faire mal à l'animal éventuellement. Pire que ça, il va peut-être déséquilibrer. L'animal, il va s'allumer. Donc maintenant, il nous va de partir l'aider. Vitaamta mehem. Attention, n'ose pas fermer les yeux devant lui. Hakem takim imo, mais va plutôt l'aider à se relever. C'est la mitzvah de Teina, charger, recharger l'animal. On a ici donc deux mitzvahs. Une mitzvah qui s'appelle Prika et une mitzvah de Teina. Prika, le farek masoy, c'est retirer pour ne pas qu'il s'effondre. Et l'it'on, c'est lui remettre la charge, l'aider de manière équilibrée à ce que l'animal puisse prendre sa route sans se casser une patte ou bien, d'accord, sans souffrir. Donc on a deux mitzvot devant nous. Ah, il y a plusieurs, la Gemara explique pourquoi il peut y avoir des pertes. Par exemple, s'il ne se dépêche pas de remettre sa charge sur lui, il y a quelqu'un qui va passer qui va lui écraser tous ses fruits qui sont tombés par terre. Donc il va vite l'aider à remonter sa charge. Et là, on va voir qu'il y a quelques différences. Mais d'abord, la Mishnah va d'abord nous prendre des cas similaires. La halakha d'abord commune aux deux. Et ensuite, on va parler de la différence entre les deux. Parak vetan, afilo arba v'chamisha pe'amim chayav, sh'ne'emar azov ta'azov. Si tu as déchargé ou bien même rechargé l'animal de ton prochain, à chaque fois selon son besoin, et tu continues à marcher sur la route, et 5 minutes après tu vois qu'il recroule de nouveau. D'accord ? Donc même arba v'chamisha pe'amim, même 4 et 5 fois, tu dois partir, aider. Même, donc c'est la même notion qu'on avait déjà vu aussi dans Shabbat Aveda, autant que tu dois refaire la mise à dos à Shabbat Aveda chaque fois qu'il perd de nouveau son bien, dans la mesure où il néglige pas, et là on va voir, est-ce qu'on parle d'Avka quand il ne néglige pas ou même s'il a négligé, mais en tout cas pour le moment, supposons par exemple qu'il néglige pas son devoir, il recharge son animal, normalement l'animal est censé marcher, et puis de nouveau il a sa crise, l'animal écroule. Alors tu dois repartir l'aider à décharger, et puis ensuite même à recharger. Prika et Teina. Et même 4, 5, et même 10 fois, 20 fois, 100 fois. Shenemar azov ta azov. Comme le pasuk nous dit, Azov ta Azov, va l'aider. Azov, c'est comme Azor. Je crois que Rashi, d'ailleurs, dans Shemot, il rapporte comme ça, Azov ta Azov, imo. Azivazo lachon Ezra. Comme ça, il rapporte Rashi dans Mishpatim. Ezra, Azor. Voilà. Maintenant, la Mishnah continue, nous en avons maintenant un nouveau cas. Il y a 4 halakhot dans la mitzvah de Prika Veteina. Premièrement, même 4 et 5 fois, tu dois recommencer. On avait déjà vu le Bar Tanoura qui apprenait ça de la redondance, mais la Gemara qui dit non, c'est le simple fait que la Torah t'impose de le faire, tu dois le faire chaque fois que la mitzvah elle se renouvelle. Ça, ça touche à la Mishnah précédente, on ne va pas se répéter, nous allons le voir. Alach ve'yashav lo ve'amar o'il valecha mitzvah im retzon chalifrok ok patur shenema imo. Là, vous tombez devant un spécimen
original. Et là, sa mitzvah de... Donc, lui, il est en train de marcher avec son âne, et l'âne, il est en train de crouler. Et vous, le tzaddik, qui étudiez tous les jours la Mishnah sur le 5 minutes éternel, et même beaucoup plus, j'espère, et vous le voyez, vous partez l'été. Mitzvah minatora, vous partez l'été. Et lui, alors là, c'est un spécimen original qui vous dit, c'est quoi, tzaddik? Puisque t'as ta mitzvah, alors je te laisse faire ta mitzvah tout seul, moi, je vais partir me reposer un petit peu. Il va, il s'assoit, il vous regarde en train de décharger ou de recharger. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça avec encore plus d'entrain, l'irvod Hashem, ou bien vous lui dites, hé mon pote, si tu m'aides pas, je t'aide plus. Réponse, la Mishnah nous dit, alach veyashavlo, donc le propriétaire qui devait se faire aider à décharger, il est parti, il s'est assis. Ve'amar, et il a dit, hoil ve'alecha mitzvah, et puisque toi tu as une belle mitzvah de prika, imretzon chalifrok prok, si tu veux, continue à faire ta mitzvah, continue à le décharger. Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit, pas tour, tu dois plus l'aider. Tu dois plus l'aider, mais tu pars. Chez Neymar, imo. Il y avait marqué là-bas, hakem takim, imo. Azov ta azov, imo. Imo, ça veut dire avec lui. Si c'est plus avec lui, tu dois plus l'aider. Il y a un point important, j'hésite à le dire tout de suite. Je crois qu'il faut quand même que je le dise très brièvement. Il y a une discussion. Dans la Gemara, est-ce que Tsar Balechaim Deoraita ou pas? Est-ce que, Minatora, je dois faire attention à ne pas faire souffrir un animal ou pas? D'accord? C'est une notion générale. Et en l'occurrence, là, on a un problème. On a un animal qui est en train de crouler. Avec, sous sa charge. Et un propriétaire ingrat et insolent au possible. C'est vrai. Donc, laisse, plante-le, lui le propriétaire, mais t'as un problème. T'as un pauvre animal qui est en train de souffrir. Et si Tsar Balechaim Deoraita, si on n'a pas le droit de laisser souffrir ou de laisser un animal souffrir par la Torah, comment tu peux partir? Et la Gemara répond en réalité, selon l'avis qui pense que Tsar Balechaim Deoraita, que m'interdit de faire souffrir un animal, c'est un interdit de la Torah, alors il faudra expliquer que, s'il est parti qui s'est assis, tu devras quand même décharger l'animal, mais cette fois-ci tu te feras payer par cet ingrat. D'accord? C'était la petite parenthèse, on la referme, mais si on pense que Tsar Balechaim, c'est pas du tout une mise de la Torah, alors ben mais tu lui dis débrouille-toi mon pote tout seul, et moi je m'en vais. D'accord? Ensuite on continue. Autre précision. Si c'était un Imaya Zaken en Chole Chayav, si quand celui qui est parti s'asseoir, c'est en réalité parce que c'était un Zaken, c'était un vieillard, ou bien tout simplement un Chole, il n'en pouvait plus, ça faisait déjà 5 minutes que l'animal il était en train de presque s'effondrer, qu'il était en train de venir, il est épuisé de fatigue, il est parti, il s'est assis, il t'a dit, oh tzaddik, puisque tu as ta mitzvah, vas-y, fais-le tout seul, moi je me repose un petit peu, mais cette fois-ci, il le fait parce que il n'a pas le choix, il est vieux, il est faible. Alors là, cette fois-ci, on chayav, on garde le devoir de l'aider, même sans sa présence. Le imo, c'est déduit du fait que la Torah l'a dit, imo, c'est en même temps que lui, avec lui, keish echav echad belev echad, en même temps, vraiment, en même temps, même moralement. Mais c'est qu'à condition que lui aussi il a la capacité de le faire, et s'il n'a plus la capacité de le faire, alors toi tu devras l'aider, lui il va s'asseoir, d'accord. Ensuite, Imaya zaken ocholechev, ou mitzvah minatora lifrok, aval lolit on, Rabbi Shimon Omer, aflit on. Alors là, on va traduire ça d'abord littéralement, et vous allez voir une anomalie dans cette phrase. Mitzvah minatora lifrok, il y a une mitzvah de la Torah lifrok, de décharger. Aval lolit on, mais pas de charger. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, aflit on, il y a aussi une mitzvah de charger. Vous allez me dire de quoi il parle. On a vu qu'il y avait deux psukim, un dans Parashat Mishpatim, un dans Parashat Kitetsé, un pour t'enseigner la mitzvah de Prika et un pour t'enseigner la mitzvah de Teina. La Gemara explique qu'en réalité on parle de ça. On parle qui doit être fait gratuitement et qui doit être fait, quelle mitzvah doit être fait gratuitement, nécessairement. Et quelle mitzvah, pour quelle mitzvah tu pourras réclamer un salaire? Quand on parle de décharger l'animal parce qu'il est en train de crouler, là, tu dois vite partir l'aider gratuitement, sans poser de conditions. Par contre, lit-on, pour recharger l'animal, alors tu as une mitzvah, mais qu'à condition que tu le fais payer. Sinon, tu lui dis, débrouille-toi tout seul. Ton animal, il n'est pas en train de souffrir pour le moment. Si tu estimes qu'il ne faut pas faire souffrir l'animal, eh ben, ne remets pas la charge et libère-le, il va aller gambader. T'as envie, toi, de le charger parce que tu en as besoin. Dans ce cas-là, paye-moi, je suis pas un pigeon. D'accord? Donc ça c'est l'avis de Tanakama. Mitzvah minatora lifrok, il y a une mitzvah de la Torah de lifrok déchargé. Avalolit on, mais ne pas l'aider à charger, à Kavana, bechinam, gratuitement.
Il n'y a pas de mise à de l'aider gratuitement à recharger. D'accord? Vous lui réclamez le prix que ça coûte. Rabbi Shimon Omer Aflit On. Selon Rabbi Shimon, il y a une mise à même de l'aider à recharger à l'animal, même gratuitement. C'est la vie de Rabbi Shimon. Et l'Agma explique qu'il déduit ça des psukim. Ça dépend de quoi parle chacun des psukim. Enfin, on ne va pas revenir. Rabbi, maintenant, dernière partie de la Mishnah, très intéressante. Rabbi Yossi Aglili Omer. Imaya Alav Yater Al Masao. Supposons qu'il a chargé l'animal bien plus que ce qu'il est capable de porter. On aura l'occasion d'apprendre dans Baba Metzia que chaque animal il a une capacité. La Mishnah va nous préciser quel animal a exactement peut porter et quel animal ne peut pas porter. Quelle quantité il peut porter. Selon poids, selon volume, il y a plusieurs paramètres. Et alors, supposons maintenant qu'il a chargé son animal deux fois plus que ce qu'il pouvait. Et c'est pour ça qu'il croule. Rabbi Yossi Aglili nous dit « Elza Kouklo, t'as aucune nécessité d'aller l'aider. » Sheneemar, Tachat Masao. La Torah insiste, elle nous dit Kitirer Chamor son achat Roves, Tachat Masao. Tu verras l'animal de l'âne de ton prochain qui croule sous sa charge. Au lieu de me dire Tachat Masa, sous une charge, tu me dis Tachat Masao. Pourquoi t'insistes t'insistes sur sa charge? C'est-à-dire une charge qu'elle est capable de supporter. Donc s'il croule sous une charge qu'elle est capable de supporter, tu vas partir l'aider. Mais s'il croule parce qu'elle a une charge insupportable, tu ne devras plus l'aider. Masoi she'achol la'amod bo. Uniquement un masoi, une charge qu'elle est capable de tenir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili, c'est sûr qu'il pense que Tsar Balechaim lave de Horaïta. Ça, la Gemara le pose clairement. Il n'y a pas de misoï de faire souffrir. Il n'y a pas d'interdit dans la Torah de faire souffrir un animal. Uniquement Midera Banane. En tout cas, pas de la Torah et de ce fait, la Torah te dit explicitement, s'il a chargé, parce que ça dépend de ça. Si on pense que Tsar Balechaim de Horaïta, qui est un interdit de faire souffrir un animal, alors il est vrai que le propriétaire est un animal lui-même, une crapule, quelqu'un de vraiment pas honnête et de méchant, il a chargé deux fois plus l'animal, c'est pour ça que l'animal écroule. Et c'est vrai que tu ne dois pas avoir pitié d'une personne exécrable comme ça. Mais quand même, le pauvre animal est en train de souffrir, va l'aider. Imaginez qu'il y a, d'accord, c'est clair, quoi. Quelqu'un de méchant qui vient, qui me frappe. Ben, vous avez une misère de venir m'aider à moi. Il n'y a pas de raison que lui, c'est une crapule, c'est vrai, mais pourquoi moi, vous me laissez crouler sous sa charge? La même idée, s'il y a une misère de Tsar Balechaim, comment est-ce qu'on peut dire, ah, puisque tu as plus trop chargé ton animal, je t'aide plus, ça va pas la tête, il y a l'animal qui est en train de souffrir. Forcément, Rabbi Yossi Aglili pense que Tsar Balechaim lave de Horaïta. Ça s'explique dans la Gemara. Et on a fini la Mishnah, on fait maintenant le Vartanora très rapidement. Metsa'a barefet, eno chayav ba. On a vu donc l'animal qu'elle a trouvé dans un. On a traduit ça par un enclos, d'accord, eno chayav ba, il ne devra pas l'aider. Le Vartanora nous précise. Afalpi she'ena mishtameret ba, kegon she'ena neula. Même si le refet, donc cet enclos, ne garde pas bien l'animal, par exemple, ena neula, l'enclos n'est pas fermé comme il faut. Ensuite, on est passé dans la deuxième partie de la Mishnah, on a parlé que la trouvaille, elle était dans le Bet HaGvarot. Et maintenant, le Bet HaGvarot, Vehu Kohen, et donc c'est un Kohen. Lo Itamela, il ne pourra pas s'impurifier pour partir là, faire la misa de la Shavada, la restituer. Che Shavat Aveda assez, parce que restituer une Aveda, une perte, c'est une mitzvat assez. Hachev Teshivem Lachicha, tu restitueras ton prochain. Et Tumat Kohen, l'impureté du Kohen, assez de Kdoshim Yu, il y a une mitzvah assez de Kdoshim Yu qui devront être saints, et en plus, Velota assez de les Nefesh Loïtama Be'amav, il ne devra pas s'impurifier. Ven assez de Velota assez, assez, et une mitzvah assez ne repousse pas une mitzvah assez, Velota assez. Un interdit accompagné d'une mitzvah assez en plus. Ensuite, on avait vu le cas du père qui dit à son fils, ne restitue pas la Shabbat Aveda, parce que j'ai besoin que tu sois là pour m'amener un verre d'eau. Donc il y a une Aveda qui est posée dans un endroit où il peut restituer la mitzvah. Il n'écoutera pas son père. Dirtiv, Ishimo va vivre tira ou vechabetota et ishmoru. Parce que la Torah nous dit Ishimo va vivre tira ou tu devras craindre ton père et ta mère. Vechabetota et ishmoru. Et la Torah nous dit dans le même verset. Et tu respecteras, et vous respecterez mon Shabbat. Quel rapport entre ces deux mitzvot? La Torah me prescrit plein de mitzvot sans aucun ordre.
Réponse, bien sûr. Shema vicha omer lecha chalel et shabbat al kishmalo. Que si ton père te dit transgresse le shabbat pour me faire du bien, tu ne l'écouteras pas. Vechen mishar kol mizot, il aura de même pour toutes les mizot de la Torah. Donc, dès qu'il y a interférence entre la mitzvah de kibud avim et une mitzvah de la Torah, tu écoutes la Torah, tu écoutes plus ton père parce que ton père est lui-même contraint de suivre la Torah. Alach veyashav lo ba'alach amor. Donc là, maintenant, on est passé dans le cas de dans la mitzvah de prika et teina, de charger et décharger l'animal. Lorsque le propriétaire est parti s'asseoir, ouais, vous êtes venu l'aider, il vous a dit, oh, il a fait tzadik, super. Moi, je m'assois et toi, tu fais ta mitzvah. Alors, donc alors, Yachablo, qui est parti s'asseoir, Balach Amor, et la mishnah nous a dit, tu seras pas tout, tu n'auras plus besoin de partir, de continuer à l'aider. Ensuite, on a vu le mitzvah minatora l'ifro, kavalo l'it'on. Il y a une mitzvah de la Torah de décharger, mais pas de charger, c'est-à-dire, le partenaire précise, mitzvah mena Torah lifrok bechinam. Il y a une mitzvah de la Torah de décharger, même gratuitement. Aval lo litzon bechinam, mais ne pas faire charger l'animal gratuitement. Et la bisra, tu pourras réclamer un salaire. Rabbi Shimon Omer, af litzon bechinam. Rabbi Shimon enseigne, tu devras même charger l'animal bechinam. Parce que c'est comme ça qu'il déduit ça des psukim de la Torah. Et là, ve'en alacha ki Rabbi Shimon, l'alacha n'est pas fixée comme Rabbi Shimon. D'accord ? Donc si vous voulez aider à charger, vous pourrez réclamer un sra, sinon qu'il débrouille tout seul l'ami. Ensuite, Rabbi Yossi Agnili Omer. Alors la règle de Rabbi Yossi Agnili, elle était Tachat Masao, Masao Shachol Amondbo. S'il a trop chargé l'animal, et c'est pour ça qu'il croule, vous n'avez plus de mitzvah d'aller l'aider. Et le Bartora nous dit. Et la lacha n'est pas comme Rabbi aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Shabbat Shalom, et rendez-vous dimanche matin, mes antichènes, Kol Tov.